Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, le +237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc ne manque pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est vraiment important, s'il vous plaît, laissez des commentaires. Donc, on va passer à la première histoire. Première histoire, donc écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonjour DMG, félicitations pour ton initiative et bonjour et merci à toute la communauté. Bon, ici c'est l'histoire d'un voisin, taximan. Donc, il travaille en soirée parce que ici il y a des taxis qui fonctionnent avec deux chauffeurs, un qui travaille le matin et un autre qui travaille la soirée. Donc lui, il travaille la soirée, il commence de 18h à 6h du matin. Donc moi, mon pseudo, c'est Daria et lui, je l'appellerai Sasa. C'est comme ça que Sasa sort à 18h, il va travailler, il commence, il démarre, il fait son taxi. Il dit que c'est aux alentours de 22h qu'il prend une cliente à Kayé. Donc nous sommes à Libreville au Gabon. Donc il prend une cliente à Kayé, elle demande 1000 francs Janibori. Donc il est déjà autour de 22h, 23h. Il accepte et c'était la seule cliente à bord. Donc il roule. Il dit que pendant tout le trajet, il n'a pris aucun autre client. Aucun autre client ne l'a arrêté. Donc il roule. Bon, pour ceux qui connaissent Libreville, vous savez que quand on arrive à la hauteur de Janibori, on est forcé de s'arrêter là. Quand on vous demande Janibori, il n'y a pas un autre endroit, c'est là. C'est comme ça qu'il arrive aux alentours de Janibori, dépasse le feu rouge, il arrive à Janibori. Il demande à la cliente, sans se retourner, il demande « Mais madame, vous descendez où? Nous sommes à Janibori. » Elle ne répond pas. Donc il roule un roue encore un peu. Il demande encore « Madame, vous descendez où ?» Elle ne répond toujours pas. C'est comme ça qu'il décide de s'arrêter. Il s'arrête et il regarde derrière. Il n'y a personne. Il dit « Merde !» Ça, c'est quelle histoire-là? Où cette dame-là a pu s'évaporer? Comment elle a fait pour disparaître vu que personne n'a arrêté le taxi? Il ne s'est pas arrêté. Elle n'a pas demandé l'arrêt. Comment elle a fait pour disparaître? Tout de suite, il a pris peur. Il a décidé de revenir à la maison parce qu'il ne pouvait pas continuer tellement il était effrayé, apeuré, il tremblait. C'est la première fois qu'il voit une telle situation. C'est comme ça qu'il décide de rentrer à la maison. Il descend, il arrive autour de 24 heures. Nous étions encore dans la cour en train de veiller. Il arrive tout effaré. On lui demande, c'est comment ça, ça? C'est comme ça qu'il nous relate les faits. Parce qu'on lui dit qu'attends, quand elle est montée, comment elle a fait? Il dit non, dès qu'elle est montée, elle a donné les 1000 francs parce qu'elle n'a pas attendu d'arriver, vu qu'elle savait déjà qu'elle n'allait pas arriver. Elle lui a tendu les 1000 francs. Je lui ai demandé, mais les 1000 francs sont où? Il dit non, vu qu'il avait déjà commencé à travailler depuis 18 heures, donc il avait déjà une certaine somme dans son sac. Donc quand elle lui a remis les 1000 francs, ça s'est mélangé avec les autres billets. Il dit si au moins c'était le seul billet, il allait prendre et déchirer et jeter, mais c'était déjà mélangé, donc il ne pouvait plus trier, savoir de quel billet il s'agissait. Donc, tout a pleuré, c'est comme ça qu'il est rentré et il a dormi. Donc, après nous avoir raconté cette histoire, il a commencé à rigoler parce que c'est un monsieur qui aime beaucoup rigoler malgré la peur de sa vie qu'il a eue. Il a commencé à rigoler et puis il est rentré. Donc, c'est pour dire que, comme on dit, le mystique est partout, et partout, et partout. Il ne pouvait pas s'imaginer que la cliente qu'il a prise dans la nuit pouvait s'évaporer comme ça dans son véhicule. Bon, merci, c'était tout. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, laissez vos impressions en commentaire. On va passer à la deuxième histoire. Deuxième histoire. Bonjour DMG, c'est encore le frère du côté de la Côte d'Ivoire. J'ai encore une petite histoire
à vous raconter ce soir-là. Une histoire qui est, je dirais, qui est mon propre vécu dans le sens de chercher du savoir. Dans mon parcours, j'ai eu à me promener un peu dans la recherche de ce savoir, parce que et pour devenir marabout, c'est pas chose que vraiment c'est pas du tout facile. On se dort pas et puis se réveiller un matin et puis se déclarer bon marabout. En fait, ce sont des années d'études et d'apprentissage. Ah, dans même Afrique de l'Ouest là, dans mes promenades, j'ai su aller me réfugier auprès d'un maître et mon oncle pour chercher quelques savoirs. Donc après quelques 2 à 3 ans, ce qui a été rapide pour moi, quand souvent il y a des maîtres, même tu peux faire des années, il peut même pas, peut-être secret même, peut-être y aller juste à cause d'un seul secret, pour réconcilier des personnes, retour d'affection, ou pouvoir charmer une personne, mais la personne même pour pouvoir te donner, tu vas aller trouver qu'il n'en est même pas. Donc 3 ans, 3 ans, quelques mois comme ça, le maître m'a fait asseoir et m'a dit, bon, en tout cas, je t'ai observé, j'ai vu comment tu marches et comment ce que le savoir représente pour toi. Je sais qu'en te confiant certains secrets, tu peux l'utiliser à bon escient. Quand dans notre travail, c'est la sagesse qui prône. Donc, je t'ai trouvé un peu sage et je vais te communiquer quelque chose et te donner la clé qui peut ouvrir toutes les portes du monde. Vous avez bien compris, je viens de dire toutes les portes du monde. Tu peux rentrer où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, si tu veux être visible ou pas. Tu peux, en tout cas, ce que tu décideras. Mais c'est que c'est un secret aussi. Pourquoi c'est pas permis à tout le monde? Moi, s'il est avant de donner à quelqu'un, on étudie la personne d'abord. Voilà, parce qu'il y en a même si quelqu'un vient pour dire qu'il faut faire du mal à temps, lui-même il cherche pas à savoir si son client a raison ou pas. Donc il y a des choses comme ça. Donc je vais te donner ces secrets. Ces secrets, même tu peux te mettre dedans pour aller dévaliser toute l'argent d'une personne, même à la banque. En ces temps-ci, là, peut-être les banques n'étaient pas aussi bien protégées que maintenant. Donc, il a eu à me dire ça et il va me dire maintenant, pour ce faire, tu auras l'initiation des 16 jours. Après les 16 jours, tu dois forcément, on rentre dans l'histoire maintenant. Donc, que les gens comprennent, c'est une histoire. Voilà. Les secrets, le monde est plein de secrets. Seulement que souvent, tout ce qui dépasse l'entendement de l'Africain, il trouve ça diabolique. Autant, il n'y a pas de savoir vain, il n'y a même pas de parole vaine. J'ai vu, concernant mon premier soir, là, d'autres disaient, c'est. Conseil spirituel vers ces histoires et mystiques. Pour un esprit qui est ouvert, tout est bon à savoir. Tu n'es pas obligé de les mettre en pratique, mais un esprit ouvert doit accueillir tout. À moins que l'on n'a pas confiance en soi-même. C'est la raison pour laquelle on se dit que telle chose, si j'écoute, si je prends le temps d'étudier, ça peut. Non, c'est que toi-même, en un mot, tu n'as pas confiance en toi-même. Donc, faut pas que ce que je vais dire, les gens vont voir ça autrement. Le monde, on est dans un multiple monde. Donc, de ce fait, quand il m'a dit, après l'initiation, donc je dois chercher un jour de samedi, donc je dois chercher un poulet qui doit être de couleur noire. Le moment que tout le monde va se coucher, ça veut dire de 1 h à 2 h du matin. Tu dois te rendre dans un cimetière local. Arrivé au cimetière, tu dois être habillé en noir.
chaussures noires, habits noirs, chapelet noir, sans habit et sans chapeau, en fait. Arrivé, tu dois chercher du bois dans le même cimetière là et choisir les milliers de cimetières dont tu dois faire les foyers africains qui sont composés de trois pierres. Et en ce temps, tu vas aller, tu vas faire tes invocations. Après avoir fait des invocations, tu vas égorger le poulet et tu vas faire du feu. Le moment que tu es en train de faire du feu, du coup, tu vas sentir que autour de toi, c'est rempli du monde. Ça veut dire que la porte de l'autre côté, la porte d'en face sera ouverte. Donc, la voile sera levée. Tu vas voir comme tu te retrouves dans un village, au fait, mais à la chefferie. Une fois que cela est fait, tu ne dis rien. Ça serait effrayant, mais tu ne dis rien. Tu vas faire ce poulet-là, tu dois le griller sur place. Maintenant, tu vas voir les chefs sont assis. Et il y a un, le chef lui-même est assis dans un trône, sur un trône, et il porte un bonnet noir. Une fois que tu as fait tes invocations, tu vas voir, moi tu es en train de braiser ces poulets, tu vas voir, ils sont en train de causer, ils font d'autres rires là-bas, les enfants jouent là-bas, ça plaît là-bas, ça. Comme dans un monde réel au lieu d'être un monde virtuel. Donc souvent quand on dit aux gens, on est dans un multimonde, il faut savoir ce que tu dis, il faut savoir ce que tu fais, c'est très très important, ne minimise pas quelqu'un. Donc, tu vas faire cuire. Une fois que tu fais cuire, donc ces personnes qui sont assises, les chefs là, tu vas commencer à leur distribuer la viande. Sans dire un mot, tu leur distribues la viande, mais tu laisses pour les chefs en dernière position. Donc une fois que tu es en train de donner, tu commences à donner à ceux qui le suivent. Donc le moment, ils seront concentrés sur ce poulet là. Les autres ne vont pas s'occuper de toi, ils ne vont pas à leurs occupations. Il y en a qui vont être là, préparés. Comme dans la vie, dans le monde dont nous vivons dedans, en fait. Une fois que cela est fait, tu laisses pour le chef en dernière position. Dès que tu vas mettre la viande dans la main du chef, son bonnet qui est sur sa tête, tu dois enlever ça. Une fois que tu l'as enlevé, tu dois te mettre à courir. Tu te mets à courir et prends la destination de chez toi. Donc tu vas voir, le chef va laisser ses, comment on appelle ça, les personnes qui, ces soldats, tu vas entendre ça crier derrière toi, tuer-les, attraper-les, tuer-les. Il y a des moments, tu vas sentir même qu'il y a des pas qui veulent te dépasser, et souvent même tu sens qu'il y a quelqu'un qui veut t'attraper dans l'épaule, mais le hit est de ne pas se retourner. Tu entends même dans tes oreilles, coupez-lui la tête, tuez-le. Tu ne te retournes pas, c'est comme un monde virtuel. Ce que tu entends et ce que tu ressens, c'est fort réel, mais ça n'existe pas. Donc il faut avoir un esprit fort, il faut être préparé pour ça. Donc tu dois y courir, courir, courir sans te retourner pour savoir que le truc a marché. Quand tu vas courir pour arriver près de ta maison, ne va pas vers la porte. Mets cette chapeau-là sur ta tête et dis, ça dit n'importe quel côté de la maison, que ce soit vers le mur de derrière, en tout cas, va directement, automatiquement, tu vas passer à travers. Et tu seras chez toi. Une fois que tu es chez toi, tu vas les entendre à la porte, à côté. Ah, on l'a raté. Ah, il s'est échappé. Ah, c'est comme ça. Comme tout est, quand on rate un voleur, en fait, c'est qu'on dit. Et une fois que cela est fait, cette bonnet, ils vont repartir. Et à partir de cet instant, cette bonnet sera à toi. Mais il y a des interdictions pour ne pas qu'ils puissent la mettre dessus. Donc, je ne vais pas pouvoir dire ici. Donc,
cette bonnet, une fois que tu as, si tu décides, ça dit, tu décides, tu peux rester ici, aller suivre quelqu'un. C'est pourquoi souvent les gens disent, je sens la présence des temps, je sens la toute présence n'est pas mauvaise. Il y en a même qui sont protecteurs. Il y en a même qui quittent. Une fois qu'il se met dedans, il peut se retrouver là où il veut, il rentre là où il veut, il fait ce qu'il veut. Mais seulement, il y en a qui ne l'utilisent pas à bon escient. Exemple, tu peux rentrer dans un grand magasin, dans un supermarché, aller vider la caisse. Mais ce n'est pas fait pour ça. C'est fait que pour défendre et pour pouvoir aider ceux qui sont dans les besoins. Une fois que tu as porté ces bonnets, c'est fini, tu deviens comme invisible. Tu deviens comme invisible, tu vas où tu veux, tu rentres comme tu veux, tu n'as pas besoin d'aller vers la porte. Donc si tu dois suivre un client, si tu dois aller, par exemple, tu es assis ici, un client t'a appelé à l'Asie, il veut te faire un travail à distance, vous êtes entendu sur les prix. Il y a des clients même qui vont faire des rêves en te disant, « Ah, maître, j'ai rêvé que toi et puis moi, on parlait. Et que tu étais chez moi, on parlait des temps, on parlait des temps. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. » Mais souvent, si l'interprétation ou la personne est trop dans la tête, c'est trop mental, ou est trop, se dit qu'il est trop religieux, il va aller soulever des choses, appeler des pasteurs qui vont, ou des toutes personnes qui vont venir remplacer ces biens-là par des démons. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire vraiment sur les forums. Mais c'est pas, si moi, je dois parler, ça serait un peu trop triste, parce que ce sera des conseils purs. La spiritualité est profonde. Il y a beaucoup qui marchent en vide aujourd'hui parce qu'ils ont confié leurs dons qu'ils avaient à des chefs religieux et marche vite. Donc, c'est ces personnes-là qui sont derrière eux. Mais les pouvoirs là sont dans les mains. Que Dieu nous aide et nous facilite la bonne compréhension. C'était votre frère et votre fils et votre petit élève Emeka. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour toute la team DMG. J'aimerais apporter ma petite participation par rapport à une histoire qui m'est arrivée. Ça fait longtemps, ma fille elle avait 2 ans. Et puis il y a un voisin qui était sérieusement malade à côté de la maison. Un monsieur avec qui on a grandi au quartier, c'était un grand frère du quartier. Il était sérieusement malade. Il était sur le point de mourir comme ça. Et sa femme avait 22 heures dans la nuit, s'est mise à crier et tout ça, que le monsieur ne respirait plus bien et tout, qu'il était très mal en point et tout ça. Donc toute la maison, on a couru pour les secourir et tout. On était mis aux côtés, essayer de les rassurer et tout, essayer de ramener le monsieur qu'il puisse retrouver son souffle normalement. Et moi, étant jeune chrétienne, je venais de donner ma vie à Jésus, ça faisait même pas un an. Avec tout le zèle que j'avais, je me suis mis debout à côté de lui, je me suis agenouillée à côté de lui, comme il était couché sur la moquette chez lui. Il n'arrivait même pas à s'asseoir parce qu'il cherchait la respiration, quoi. Et il était douloureux, il avait mal, je ne sais pas où, il avait mal dans tout son corps. Du coup, je me suis mis à prier dans mon cœur, à commander à cet esprit de mort de les lâcher maintenant. Et au nom de Jésus, j'ai pris autorité, je le regardais, je menaçais cet esprit. Je lui disais, lâche-le maintenant au nom de Jésus-Christ et tout ça. Et le monsieur commençait à aller un peu mieux, à récupérer un peu son souffle et tout. Moi, j'avais laissé ma fille coucher dans ma chambre. Ma fille qui avait à peine 2 ans, elle était couchée dans ma chambre. Même pas, elle avait 1 an et demi. Couché dans ma chambre, elle dormait. Et moi, une demi-heure après, je reviens dans ma chambre, je trouve ma fille qui a déjà la fièvre à un niveau que elle était à la limite à convulser, quoi. Elle n'était pas bien, comme ma fille était claire de peau, elle est devenue rouge, elle était vraiment comme pareil que le monsieur que j'ai laissé là-bas, le voisin. J'ai dit, mince, je ne pars quand même pas avec ma fille, c'est un échange ou quoi. J'ai eu la présence d'esprit.
Et j'ai dit une fois, j'ai dit à l'esprit là que retourne là où tu es. Retourne chez le monsieur, je ne vais pas prononcer le nom. Par exemple, il s'appelait peut-être Cyril. J'ai dit retourne chez Cyril. Au nom de Jésus-Christ, retourne chez Cyril. Lâche ma fille et tout. Et du coup, le même soir, ma fille est revenue normale. La fièvre était partie et le monsieur là est décédé la même nuit là. Donc, la leçon de l'histoire, c'est quoi? C'est que quand tu vas quelque part, ce n'est pas tous les gens qu'il faut aller prier. Avant même d'abord de prier sur quelqu'un, il faut d'abord demander à la personne de se repentir. Il fallait que je demande à la personne de confesser ses péchés, de demander pardon au Seigneur et tout, avant de prier sur la personne, que la personne recommande son corps, son âme et tout son être entier entre les mains de Jésus. Comme ça, quand tu pries pour lui, toi-même tu es protégé et la personne est protégée. Toi-même tu te recouvres aussi dans le sang de Jésus. C'est comme ça que moi j'ai compris les choses. Donc, le monsieur il est décédé, moi ma fille est revenue à son état normal. Voilà ma petite histoire. Vraiment, je compte sur vous pour le publier. Allez, bonsoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la quatrième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté. Je voulais vous partager une petite histoire. C'est une histoire que nos parents racontaient à nos grands frères. Quand ils étaient un peu volages avec toute la vilaine vie qu'ils menaient et tout ça. C'est une histoire qu'on leur racontait pour les mettre en garde un peu, pour leur dire que le Dieu n'est pas facile et qu'ils devaient tempérer sur les histoires de filles. Donc, les parents racontaient qu'il y a un homme qui habitait dans une ville où il y avait la mer. Je ne vais pas donner les détails, dans une ville où il y avait la mer. Et cet homme-là, il avait la réputation d'être un coureur de jupons. En tout cas, c'était établi que lui, c'était un tireur d'élite. Et tout le monde le connaissait comme ça. Donc, une fois, à une soirée, il est tombé sur une fille. Et pour une fois, ses intentions envers cette fille-là étaient nobles. Parce qu'elle était tellement belle qu'il a dit en son cœur, non, c'est celle-là que j'attendais, je vais la marier. Et donc, il a abordé la fille, il lui a dit, voilà, je t'ai vue, je veux t'épouser. Je ne veux pas m'amuser avec toi parce que tu es la femme que j'attendais, mes intentions sont nobles. Donc, je veux déjà même que tu mettes dans ta tête qu'on va aller voir tes parents sous peu pour que je puisse leur demander ta main. Cette fois-ci, je ne viens pas pour m'amuser, c'est toi que j'ai trouvé. En tout cas, les déclarations intempestives. Donc, il a dit qu'il voulait vraiment de la fille. Et cette fois-ci, c'était vrai. Il ne venait pas pour s'amuser comme d'habitude, là. Et donc, la fille lui a dit, « Ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, je vais venir te chercher. On va aller dans le village de mes parents et tout ça. Tu vas les rencontrer. » Donc, le lendemain, très tôt le matin, elle est venue. Ils se sont donné un point de rendez-vous. Elle est venue là, le chercher. Elle était en voiture. Elle avait une voiture. Donc, ils ont pris la route. Ils ont roulé. À un moment, la jeune fille dit qu'elle a envie de se mettre à l'aise. Donc, elle a garé sur le bas-côté et puis elle a avancé un peu dans la brousse. Il y avait un arbre. Elle s'est mise derrière pour pouvoir se mettre à l'aise. Au bout de 5-10 minutes, le monsieur ne la voit pas revenir. Il commence à l'appeler. Il n'entend pas répondre. Donc, il avance un peu pour aller voir derrière l'arbre. Il n'y a personne. Il se dit, ah, les femmes avaient les histoires de honte. Là. Peut-être qu'elle avait envie de se mettre à l'aise autrement et gênée là. Donc, elle s'est un peu éloignée. Donc, je vais attendre un peu. Au bout de 30 minutes, rien. Il appelle. Il commence à fouiller dans les environs. Pendant une heure, il la cherche, 2 heures, 1h30, il essaie de l'attendre. Il se dit, ah, est-ce que quelque chose lui a pas arrivé? Est-ce que c'est pas faire chose agressée? En tout cas, tout lui passait par la tête. Donc, quand il commençait à avoir peur, il dit, attends, c'est pas à cause de femme, je vais mourir ici. Donc, il prend la voiture pour essayer d'avancer un peu. Et puis, peut-être au prochain village, il allait pouvoir dire aux gens, je venais avec quelqu'un pour voir si on peut organiser une battue pour la rechercher. Le monsieur monte dans la voiture, il enclenche le moteur, il commence à rouler. Son compteur montre que ça avance bien, il parcourt des kilomètres. À un moment, il regarde dans le rétro. Il se rend compte que là où la fille a tourné là, est aussi proche de lui. Ah non, il ne comprend pas, il tourne la tête, il voit que l'arbre est là, là où la fille a tourné est là. C'est comme s'il n'avait pas avancé. Non, il s'est dit non, il a dû avoir une absence. Donc il remonte dans la voiture, il met le gaz. Il bombe. À un moment, il tourne encore. Voilà l'arbre où la fille a tourné. Il commence à avoir peur. Il se dit, peut-être la voiture ne marche pas. Tout lui passe par la tête.
Il dit, mais je suis tombé où? Qu'est-ce qui arrive? Comment une voiture bouge? Et puis c'est comme si je ne bouge pas, alors que le compteur indique que ça roule, que tout m'indique autour de moi que je suis en train de rouler. Pourquoi est-ce que je suis à la même place? Je vais laisser la voiture. Il descend, il commence à courir. Il commence à trottiner un peu, courir, courir, courir. À un moment, il regarde derrière lui. Voilà la voiture, voilà l'arbre de la fille a tourné. Il se rend compte qu'il ne bouge pas de place. Le monsieur commence à dire, oh, j'ai cherché, j'ai trouvé. Il commence à transpirer. Il dit non, peut-être que c'est, peut-être il rêve, des choses comme ça. Il continue de marcher, il marche. Il a tellement peur même de regarder derrière lui. Il marche, il marche, il marche, il marche. Il regarde derrière lui, voilà la voiture, voilà là où la fille a tourné. J'ai dit, il a rampé, il a couru, il a marché, il a pleuré. Jusqu'à ce qu'à un moment, le soir tombait. Il était affamé, il était fatigué, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il s'est dit, bon, si la route, je ne peux pas avancer sur la route, je vais commencer à prendre la route de la brousse. Peut-être que je vais avoir mon salut là-bas. Donc à un moment, il prend la route, il quitte la voie et puis il prend la brousse. À un moment, il regarde derrière lui, il ne voit plus la voiture. Mais il se faisait déjà tard, la nuit tombe vite dans la brousse. Donc il allait se mettre sous un arbre pour essayer de parce qu'il ne savait même pas où se diriger. Il était perdu, il avait peur, il pleurait, il se disait que c'était fini pour lui. Jusqu'à ce qu'il voit des torches qui s'allumaient dans la brousse là. Et je crois que ce sont des pêcheurs qui sont tombés sur lui. Les pêcheurs là lui ont dit, mais tu fais quoi dans la brousse ici? Des pêcheurs ou des chasseurs, je ne me rappelle plus, ça fait tellement longtemps. Il dit, non, je suis venu avec une amie là, je partais pour rencontrer ses parents dans son village. Mais voilà, voilà ce qui est arrivé. Les messieurs ont dit, mais quelle route? Il dit, non, vers là-bas là. Les messieurs disent, mais toute la zone ici là, il n'y a pas de route. C'est la forêt et c'est l'eau. Il n'y a pas de route ici. Que certainement, tu es tombé sur une mamie Wata, une sirène des eaux. Et c'est elle t'avait envoyé ici pour te tuer. On ne sait pas pourquoi elle a eu pitié de toi. Peut-être comme cette fois-ci, tu as dit que tu venais pour te marier. Peut-être que c'est parce que tes intentions étaient nobles, elle a eu pitié de toi. Et puis elle t'a donné cette grande leçon-là. Et c'est les gens-là qui l'ont transporté par pirogue pour l'envoyer dans un village. Et c'est à partir de là qu'il a pu regagner sa base. Et de ce qu'on nous a raconté, en tout cas, ça l'a discipliné. Ça l'a discipliné. Donc c'est pour dire aux gens que, à force de courir là, il y a des entités qui vivent au milieu de nous. Et elles nous remarquent. Et souvent là, quand elles en ont mal, là, elles viennent en mission contre ces personnes qui se comportent mal là. Et lui, il a échappé belle en tout cas. Donc c'est pour dire aux hommes là, calmez vos ardeurs, aux femmes aussi, calmez vos ardeurs, parce que ça peut être vice versa. C'était ma petite histoire, bon courage à tout le monde et puis à la prochaine. Merci pour l'histoire. Donc, laissez vos impressions en commentaire, s'il vous plaît. Laissez les commentaires, likez, partagez. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Bonsoir, 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 DMG. Comment allez-vous? Moi, ça va par la grâce de Dieu. C'est toujours une fan depuis Libreville au Gabon. Alors, tu vas d'abord remarquer que mes audios, je te les envoie la nuit parce que la nuit, j'ai un peu plus de temps et plus de calme. Et les enfants sont déjà couchés, donc je suis plus ou moins libre. Ça me laisse le temps d'être. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, moi particulièrement. On m'a intitulé l'histoire La Robe. Alors, c'était dans les années 2012-2013. Je vivais avec ma mère, non, ma grand-mère. J'étais déjà avec mon époux, mais lui, il était chez ses parents. Moi, j'étais chez mes parents, mais on se fréquentait. Alors, comme ça, j'avais mon amie, ma meilleure amie, vraiment, mon amie. On s'entend depuis la classe de primaire, depuis la classe de primaire en C1. Le C1 jusqu'à maintenant, on est restés des grandes amies. Alors, c'est comme ça que, étant à la maison, j'avais quand même des petites entrées. J'allais souvent aider ma grand-mère au marché, puisqu'elle vendait au marché. À l'époque, il y avait un marché à droite. À droite, donc elle vendait là et moi j'allais souvent là-bas, donc j'avais souvent une petite place quand c'était les vacances.
Bon, c'est comme ça que la rentrée scolaire commençons, parce que les vacances, là, on n'avait même pas bien vendu, hein, parce que la mairie nous embêtait et tout ça. C'est comme ça que, avant la rentrée scolaire, j'ai une amie, ma meilleure amie, dont je vous parle, elle et moi, elle a prévu une soirée. C'est comme ça qu'elle m'appelle, me dit, la petite, comment elle m'appelle la petite, on s'appelle la petite, elle me dit, la petite, écoute, j'ai une soirée, j'ai rencontré un boss et tout ça, il nous invite à manger et tout ça, est-ce que tu peux venir? Je dis, oui, je peux venir. Mais là, je viendrai, mais je ferai quand même un tour au marché, je vais quand même acheter un truc bien. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci et tout ça. C'est comme ça que je quitte, après la vente du soir, après la vente du soir, je suis quittée un peu plus tôt. C'est comme ça que j'ai dit à ma grand-mère, non, je fais un tour à Petit Paris. Voilà, c'était Petit Paris. Je fais un tour à Petit Paris, elle va rester emballée. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, je peux partir, je vais rester emballée. Les affaires. Je prends un taxi pour Petit Paris, je m'en rends à Petit Paris. Je commence à fouiller Moutouki. Moutouki ici qu'on appelle la redoute. La redoute qu'on appelle, nous tous on connaît et tout. Alors, je vais à Moutouki, je commence à fouiller Moutouki. Bon, moi généralement, moi j'aime bien les fins de série en fait. Alors, je commence à fouiller Moutouki, je me fouille, je me dis, ah, j'ai envie de m'acheter une robe, quelle que soit la couleur, mais pourvu que ce soit une robe, j'ai pas envie d'être en pantalon ou quoi que ce soit, j'ai envie d'être en robe. Donc, je fouille, c'est comme ça que je vois, juste à côté là où j'étais assise, où je fouillais, je vois une très belle robe blanche. La robe était là, personne ne l'a remarquée. Une très belle robe blanche. Et le vendeur l'avait exposé du côté soleil, soleil en fait. Tous les rayons du soleil frappaient sur cette robe-là. Je dis, ah, elle était blanche. C'est comme ça que je vais vers le gars. Je lui dis, regarde, non, moi j'ai besoin, tu fais la robe là. Mais, oh, il me dit 3 000. Je dis, non, 3 000, moi je ne sais pas 3 000 et tout. Il me dit, bon, ok, donne-moi 2 500. Je dis, oh, toi aussi, 2 500, mon frère, je vais prendre le taxi. C'est comme ça qu'il me dit, bon, je te fais la robe à 2 000. C'est comme ça que je prends 2 000, je lui remets, vu que j'avais seulement 10 000. Et après, je me suis acheté une petite babouche et un sac, un petit sac. C'est comme ça que je reviens vers la maison. Je prends mon taxi, j'arrive à la maison. Et là, je pense, en tout, j'avais dépensé, je pense, 5 000 ou 6 000 comme ça. Il me restait, oui, 6 000, plus les pièces. Non, 5 000. Oui, il me restait 4 000, 4 500, un truc comme ça, avec des petites pièces de son. Je prends le taxi, j'arrive à la maison et tout. J'ai juste le temps de me laver. Et j'avais pas lavé la robe, en fait. C'est comme ça que je portais la robe. J'ai mis ma nouvelle babouche, j'ai mis le petit sac que j'avais acheté. Je vais essayer de me faire un petit maquillage léger et tout. J'avais un petit. À l'époque, il y avait des petits Nokia, les Nokia qui venaient à peine d'arriver, là, les petits Nokia, là. J'avais ce Nokia, là. Et c'est comme ça que ma copine m'appelle, me dit, mais tu as quel niveau? Je dis, non, je suis maintenant à droite. Elle me dit, mais, oh, mais dépêche, je suis en train d'attendre. Je suis à Glace, il y avait un restaurant en Glace là. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je me dis, bon, moi je ne vais plus prendre des clandos, je vais prendre directement 1 000 francs Glace. Je me mets à sur la route, je prends 1 000 francs Glace. Ça m'amène le premier taxi que j'ai demandé, 1 000 francs de glace. J'ai pris le premier taxi. Dans le taxi, il y avait deux messieurs qui étaient dans le taxi et une dame plus moi. Alors, on était à trois derrière et le chauffeur et puis le monsieur. Donc, j'étais dans le taxi. C'est comme ça que le monsieur qui était juste à côté de moi, quand on vous êtes très belle, madame. Je dis, mademoiselle, je dis oui, merci. Il me dit, vous allez vers où? J'ai dit, non, je vais à Glace et tout ça, je vais trouver une amie et tout ça. Il me dit, ah, ok, d'accord. Bon, il n'y a pas de souci, ben, laissez, je vais payer vos taxis. J'ai dit, ok. Le monsieur qui est devant, il dit, mais comment ça, tu vas payer son taxi? Moi, je peux aussi payer le taxi. Je dis, ah. Le taximan aussi se met à dire, oh, mais comment vous pouvez payer le taxi? Moi aussi, je peux lui dire que non, je peux l'amener à Glace gratuitement. J'ai commencé à rire, je disais, ah, ça c'est la tête des comédiens ou bien ils veulent me prendre la tête et tout ça. C'est comme ça que je descends à Glace au restaurant, pas très loin du restaurant. Le monsieur paye son taxi, il me dit, bon, allez, bonne soirée, sans pourtant me demander le numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Je descends le taxi. Alors, je rentre dans le restaurant en question. Toutes les personnes qui étaient dans ce restaurant-là ont posé les yeux sur moi. Que ce soit les femmes ou les hommes ou les enfants, quand je suis rentrée seulement dans le restaurant,
J'avais l'impression qu'ils ont vu une étoile ou je sais pas quoi. Tellement tout le monde me regardait. J'ai dit, ah, c'est comme, vous voyez, vous êtes surprise lorsqu'il y a quelque chose. J'ai dit, ah, c'est comment tout le monde me regarde comme ça et tout ça. Ma copine me fait signe, je vais vers elle. J'ai dit, hey, Aya, c'est comment tout le monde me regarde comme ça. Elle me dit, la façon que tu brilles là, tu peux pas. J'ai dit, ah, ma copine, toi aussi, je peux briller comme une vieille robe comme ça là que j'ai acheté peut-être, je ne sais même pas combien. Et puis elle me dit, oh, toi aussi, tu brilles trop, cette machin. Et donc, on était là, elle attendait maintenant le monsieur qui l'a invité. Quand le monsieur aussi arrive, tout le monsieur me fait des compliments. Alors là, vous êtes très belle, madame. Je dis, oh, merci. On a mangé et tout ça, on a rigolé et tout ça. Le monsieur était maintenant là, c'est comme ça qu'il appelle le servant. Celui qui nous a servi, en fait, il est arrivé, le monsieur il a demandé la facture, il a dit, ok, je vous amène la facture. Excusez-moi, je vous amène la facture. C'est comme ça, et quand il amène la facture, il dit, ok, d'accord, donc dans ce cas, nous allons encore ajouter deux jus, et puis vous m'amenez la facture finale. Quand le serveur part, il repart avec la facture pour aller ajouter les deux jus. C'est comme ça que nous, on est là. Les deux jeux sont arrivés, on a même bu, on est là, on est en train de rigoler, raconter et tout, rigoler, raconter. On est encore resté, je pense, 30 minutes. Au moment où on voulait partir, on insistait tellement, on commençait déjà à dire C'est comme ça qu'on appelle le servant. Le gars qui faisait le service, on est dit, mais papa, la facture, elle est où? Plus que... Mais lui, oh, mais la facture, elle a déjà été payée. Nous trois qui étions sur la table, comment ça a été payé? Non, il y a un monsieur qui s'engage à payer votre facture et tout ça, là, machin. Donc, c'était un peu embêtant pour le monsieur qui faisait la cour à ma copine et tout ça, là. Je dis, bon, c'est pas grave et tout. Il a dit, ah, peut-être un de mes frères me soulage de la douloureuse, en fait. C'est comme ça qu'on appelle la facture, de la douloureuse et tout ça. Après, on est sorti du restaurant. On sort du restaurant, ma copine devait aller faire ses... Elle est partie avec le monsieur. Moi, je traverse l'autre côté de la route pour prendre le taxi pour rentrer à la maison. Au moment où je vais traverser comme ça, je vois une grande voiture qui s'arrête. Bonsoir, bonsoir, mademoiselle. Je dis bonsoir. Vous allez vers où? Je dis non, je vais vers à droite. Mais ah, vous allez vers à droite. Bon, moi, je vais vous monter, je vais vous déposer. Je montais. Le monsieur qui était dans la voiture me regardait. Il me dit, ah, ça, vous brillez, vous êtes très belle. Je dis merci. Il me dit, ah, ça, vraiment, votre maman. Je dis, ah, merci et tout ça. Sans pourtant vouloir me draguer, en fait. Quand je descends du taxi, bon, quand je descends de la voiture, le monsieur prend 20 000. Il me remet. Je dis, aïe. Il me dit, non, tiens, tenez, pour vous faire plaisir et tout ça. Bon, bonne soirée, le monsieur démarre et part. Je dis, hi, ah, c'est vraiment ma soirée. Après, le lendemain, c'était toujours la même chose. Le lendemain, je reportais la même robe. C'était toujours la même chose. Les hommes qui me donnaient l'argent, les compliments. J'ai dit, hi. Donc, c'était devenu ma robe favorite. Donc, partout où j'allais, je portais la robe là. Au marché, quand je me mets au marché, à aller aider ma grand-mère au marché, à aller vendre, quand je porte cette robe là, tous les clients qui passent acheter que sur nos tables, aïe! À un moment donné, tout le monde me dit, c'est comment? C'est comme ça, la grand-mère me dit. C'est comme ça qu'elle, étant déjà une femme âgée, elle commençait à voir que les femmes du marché posaient maintenant des yeux de jalousie, les yeux de trucs sur moi. C'est comme ça que la grand-mère me dit, non, demain, ne viens plus au marché. Et la grand-mère commence à dire, elle dit, non, ne viens plus au marché. Si tu viens au marché, ne dure pas, tu fais seulement 1 heure de temps. Et quand tu viens au marché, tu viens lorsque je suis là. Quand je ne suis pas là, ne viens pas au marché. J'ai dit ok, en sachant que la grand-mère, elle était toujours au marché. Donc, la journée, quand la grand-mère est là, elle a les clients, mais pas comme quand je suis là. Quand j'arrive seulement avec la robe au corps, maman, DMG, tous les clients de la soirée, là, c'est fini. C'est pour nous. Donc, c'était comme ça que ça se passait. Et ces vacances-là, je pense que je m'étais retrouvée avec mon. Puisqu'après, j'ai trouvé un bricole. Avec mon bricole et tout ça, à rentrée scolaire, je me suis retrouvée avec 300 000 rentrées scolaires comme ça. Et la grand-mère, elle a même voulu s'engager, elle m'a donné encore un peu les sous, vu que j'ai dit à la grand-mère, non, c'est pas la peine d'attraper cet argent-là. Donc, c'était un peu comme ça. Et bizarrement, la robe en question, je l'ai perdue.
Je ne sais pas si on me l'a volé, je ne sais pas, machin, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. La robe en question, on me l'a volée. Et les années après, c'était vers 2000, 2020, 2022, j'ai accompagné une de mes sœurs qui était tombée très gravement malade. Chez un traduit praticien, on est parti, on s'est rendu là-bas. Ensuite, au lieu de consulter ma soeur en question, le traduit praticien se concentre maintenant sur moi. Il me dit non, c'est comme ça que le traduit praticien me dit, tu as acheté une robe quelque part, une année tu as acheté. Je dis oui, j'ai acheté une robe. Il me dit, ah, la robe là, vraiment, ça t'a attiré la chance. C'était une robe qui était, qui avait comment on appelle ça, beaucoup d'énergie en fait. Et cette énergie, c'était une robe qui avait une énergie positive en fait. Cette robe-là t'a apporté beaucoup de choses, ça t'a apporté beaucoup de chance. Mais malheureusement, tu as perdu la robe. Je dis oui, effectivement. J'essaie de demander si on peut retrouver. C'est là où le traducteur professeur me dit, ce genre de choses-là, on ne cherche pas ça quand ça se perd. Ce qui veut dire que c'est venu à un moment donné de ta vie où tu en avais besoin. Ça t'a aidé. Ensuite, peut-être, ne sachant pas, peut-être. Ça s'est passé maintenant de main en main, donc ça veut dire que c'est une autre personne maintenant qui bénéficie de ça. Mais ces choses-là, quand ça tombe chez une mauvaise personne, c'est mal utilisé. Et la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que les choses que nous achetons souvent, Moutoukila, il y a du négatif et du positif aussi. Comme c'est comme toute chose sur cette terre, il y a du négatif et du positif. Mais prions quand même sur ces choses-là. Prions quand même sur ces choses-là. Lavons-les avec du sel. Lorsque vous achetez un nouveau truc, surtout c'est quelque chose qui a été porté. Parce que ces choses qui ont été portées avant nous, vous ne connaissez pas les personnes qui les ont portées. Peut-être ces personnes-là, ils avaient des énergies négatives. C'est comme ces personnes-là pouvaient avoir des énergies positives. Alors, faisons très attention. Soyons vigilants. Vraiment vigilants. Et ne faites confiance en personne. Même ton propre orteil peut te trahir un jour. Donc, ne faisons confiance à personne. Donnez de l'amour, c'est important. Mais ne faites confiance en personne. Sur ce, bonne soirée. Likez, partagez. Laissez des commentaires et le pouce bleu. Bonne soirée. Voilà, merci, merci beaucoup pour l'histoire. Donc, on passe à la sixième histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir à tous les auditeurs de la chaîne. Bonsoir également à tous ceux qui aiment, qui likent et qui partagent. Continuons à le faire pour encourager et pour faire connaître la chaîne également à des milliers de personnes qui certainement sont dans le besoin. Parce que quand on écoute DMG TV, vraiment, on n'est plus pareil parce que édifié par tant d'histoires que les uns et les autres montent pour raconter. Bon, cette fois-ci, je vais intituler le titre de mon histoire, la confiance en Dieu. La confiance et la foi en Dieu, en fait. Il y a de cela quelques années auparavant, je vivais dans un quartier non loin de chez ma grande sœur, donc nous étions voisines. Elle était mariée à l'époque. Et elle est toujours mariée d'ailleurs, mais moi, je ne l'étais pas. Donc, voilà. À côté de chez elle, il y avait une jeune fille mentalement instable que j'aimais beaucoup. Donc, à chaque fois que j'allais chez ma sœur, elle et moi, on a appris à faire connaissance, si bien que c'était tellement devenu fusionnel entre la petite fille et moi. Elle devait avoir 15 ans par là. C'était tellement fusionnel avec nous, une amitié s'est liée, quoi. Si bien que tous les soirs, quel que soit, quand je rentrais du travail, elle était là à ma tante. Et quand je rentrais, elle m'accompagnait à la maison. On restait un bon bout de temps et puis je remontais l'accompagner. Donc, c'était déjà devenu ma fille adoptive. Les week-ends, les samedis, les dimanches, elle venait, on passait la journée et puis je l'accompagnais. C'était comme ça à chaque fois.
Un jour, elle est venue chez moi. Elle a trouvé la photo de Jésus sur la salle. Elle a trouvé la photo de Jésus sur la salle à manger. Je ne sais pas si on dit comme ça. Bon. Sur la table de la salle à manger, voilà. Elle m'a dit, mais tiens, il est beau, il est mignon. J'ai dit, oui, tu le connais? Elle me dit, bien sûr. Il dit qu'il s'appelle comment? Elle me dit qu'il s'appelle Jésus. J'ai dit, voilà. Elle dit, qui te plaît? Elle me dit, oui. Et elle me demande donc à l'issue de ça, est-ce que je peux le garder pour moi? Je lui dis que, mais bien sûr, vas-y, prends, c'est ton cadeau, prends-le. C'est comme ça, donc, elle a pris la photo. On a continué à se fréquenter. Je crois 2 ou 3 semaines après, elle venait comme d'habitude à la maison. Mais sauf que ce jour, elle est venue, elle a fait une crise d'épilepsie. Parce qu'elle avait ce coutume de faire une crise. Mais c'était la toute première fois pour moi de la voir faire une crise là en direct. Et ce jour, ma grande soeur était avec nous. Donc, au moment où elle devait même rentrer, elle devait rentrer plutôt avec ma grande soeur. Parce que ma grande soeur était également venue me rendre visite. C'est comme ça, donc, elle se met à faire la crise d'épilepsie. La façon avec laquelle elle se tordait, mais je vous assure que ma soeur et moi, on était petits pour la maîtriser. Elle se tordait, elle avait une force incroyable. J'ai dit à ma soeur que même. Donc c'est comme ça souvent que ça se passe. Elle me dit que ah, quand je te dis chaque jour que l'enfant s'y souffre, tu ne me comprends pas. Voilà ça que ça se passe devant tes yeux. Vois aussi. J'ai dit à ma soeur que non, ce n'est pas simple. Il y a un truc qui ne va pas. On l'a fait d'épilepsie, qu'on dit que c'est la maladie. Là, je veux être bien d'accord que ce soit la maladie. Mais la façon avec laquelle elle manifestait, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça donc que je commence à prendre autorité. J'ai commencé à dire ceci. Vous avez menti, pas ma fille et pas dans ma maison. Ici, vous êtes très mal tombé. Vous venez vous manifester dans cet enfant comme ça, là, ici chez moi, c'est Jésus qui règne. Vous n'avez pas place ici. Vous n'avez pas place. Sortez de son corps maintenant. Sortez de son corps maintenant. Ma grand-soeur était là, sa mère me regardait. Elle me dit que, ah, je t'ai dit que c'est souvent comme ça. J'ai dit que non, ma soeur, que non, laisse. Que l'affaire, c'est comme tu vois, là, ce n'est pas comme ça. Ok. Quelques temps après, elle est revenue à elle avec les baves et tout et tout. La crise est passée. Et puis, on l'a nettoyée, je l'ai nettoyée. Et puis, voilà, ils sont rentrés. Je suis allée les accompagner, ils sont rentrés. Mais sauf que quand ils étaient rentrés, j'ai fait peut-être 2 jours sans plus aller vers là-bas. Mais j'avais quand même appelé ma soeur le lendemain pour savoir comment ça allait. Elle m'a dit que ah, grand-mère chez eux, c'est comme ça qu'on l'appelait. Grand-mère chez eux, bon, voilà. Je crois que c'était un vendredi. Un vendredi, j'allais au marché. Mais j'ai décidé de passer chez ma grande soeur pour savoir comment elle allait déjà et comment aussi grand-mère se portait. C'est comme ça donc que quand j'arrive, ma grande soeur me dit que tu as même vu grand-mère. Grand-mère fait des choses depuis. On ne sait pas. Plusieurs personnes viennent pour l'arrêter. Elle dégage tellement une force que même son grand frère et 5 personnes ne peuvent pas la retenir. C'est devenu grave, la folie de grand-mère s'est déclenchée. Ce n'est même plus au niveau de l'épilepsie. Elle est maintenant devenue agitée à un niveau. Elle monte sur les barrières à certaines hauteurs. Elle décide de tomber au sol. Elle a dit, tu vois grand-mère, grand-mère, les égratignures partout. Et je lui demande, à l'heure si maintenant, elle est donc où? J'ai dit, c'est ma grand-sœur qui me dit que, ah, sûr que son grand frère est parti la chercher parce que le gars a tellement souffert qu'il a couru dans tout le quartier ici avec les gars. On l'arrête, on la met dans une chambre, on la séquestre, elle détache la corde et elle part. Son grand frère est même fatigué. Quand on est en train de parler comme ça, quelques temps après, on entend les cris au loin, c'était elle, avec les gars du quartier, qu'on était en train de chercher à la maîtriser. Elle a réussi à s'échapper d'entre les mains des gars, monter sur la barrière de la voisine. Il y avait une barrière là, une demi-barrière. C'est comme ça donc qu'elle monte là-bas. Elle décide de se jeter au sol devant moi.
J'ai crié. J'ai dit à ma grand-sœur que, mais là, c'est très grave. Ma grand-sœur me dit que, ah, on n'a pas dormi. Elle a commencé comme ça depuis 4 heures. Et là, je pense qu'il était dans les 10 heures, 9h30, 10 heures par là. Quand je me dis intérieurement que, ouais, Seigneur, on va leur faire comment pour l'aider. Le numéro du prêtre exorciste que je connaissais, ce n'était pas un prêtre exorciste d'ici. Il venait d'un autre pays et il nous avait dit qu'il était en train de retourner dans son pays, mais je ne sais pas s'il est encore là. Mais moi, personnellement, je n'avais même plus son numéro. J'ai fouillé, je n'ai pas retrouvé son numéro dans mon téléphone. C'est là où je me souviens donc qu'il faut que je demande donc ça à mon amie. Je veux la nommer Marie. On dit que je vais demander le numéro à Marie. C'est comme ça donc que je prends le téléphone, je lance le numéro de Marie. Ça ne passe même pas. J'ai dit que ouais, je vais donc faire comment pour l'aider. Il faut qu'on l'amène chez un prêtre exorciste. J'entends seulement une voix dans mon cœur DMG qui me dit, dans ma tête, qui me dit que ceux qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons. J'ai dit, ah. Pendant que je me vais, j'ai dit que ouais, je connais même encore qui peut l'aider. La voix ne fait que me dire, ceux qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons. J'étais en train de m'embrouiller, j'ai dit que ouais, je vais faire comment? La voix ne faisait qu'insister. Plus je réfléchissais à autre chose. Et puis la voix me dit, ok, tu cherches le numéro des prêtres exorcistes et bien tout ça. Admettons même que tu as trouvé le numéro. Le temps peut-être qu'il vienne. Si déjà même il est dans la ville, le temps peut-être qu'il vienne. Tu es sûr que la façon qu'elle fait là, elle sera en vie. Je te dis que ceux qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons. J'ai dit, ah. Donc ça veut donc dire que j'ai quelque chose à faire. La voix ne m'a plus parlé. C'est comme ça que je reste un bon bout de temps, tellement elle était agitée. J'ai dit à ma soeur, elle était en train de faire même sa cuisine, j'ai dit à ma soeur que maman, pardon, prends la Bible dedans, tu me donnes, on doit aider l'enfant ici. Elle me dit que comment? J'ai dit que non. La voix là, c'est que la voix me dit que ceux qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons. Maman, nous sommes chrétiens catholiques, on va mettre notre foi en marche pour cet enfant et Dieu va faire le reste. Elle n'a pas compliqué, elle a dit ok, comme tu dis alors. Elle est partie donc prendre dans la Bible, elle m'a remis. Et puis j'ai demandé qu'on épuise l'eau et l'eau du robinet et l'arbre de paix qu'on appelle généralement chez nous le fécond. Elle est partie chercher l'arbre de paix. J'ouvre la Bible, ça tombe sur un passage de délivrance. Je me mets donc à lire, à lire, à lire. Plus je m'approche devant l'enfant, plus l'enfant devient de plus en plus agité. Non, 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 ne t'approche pas, ne t'approche pas, le feu. Et la voix qui parlait à l'enfant, ce n'était plus l'enfant. Puis elle parlait à leur langue et on me traduisait. Et que tu viens faire quoi ici? Laisse-moi, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant, quand on me parce que c'est parlant pas toi. Et on me disait. Et moi, quand je parlais en français, elle répondait en patois. C'est comme ça, donc, on me dit que la voix, on me dit que ce qu'elle est en train de dire, c'est que la voix dit que ce n'est, je ne suis pas son enfant, qu'elle n'est pas mon enfant autant pour moi. Donc, il faut que je la laisse, que je n'ai rien à y voir, que c'est un problème familial. C'est là où donc je réponds à la voix qu'au nom de Jésus, tu vas libérer cet enfant. Cette n'est pas mon enfant. Ce n'est pas ma fille, mais c'est ma fille par alliance. Je me suis familiarisée avec elle. Elle est comme ma fille désormais et j'ai le droit, le devoir de l'aider. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Au nom de Jésus, sors dans elle. C'est comme ça donc que ma soeur et moi, on a commencé à prier, prier. Et à chaque fois qu'on versait l'eau sur elle avec l'arbre de paix, elle fondait, elle criait, waouh, elle criait, waouh, elle faisait que crier. On l'a fait jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, et quand on le faisait, et quand elle nous répondait, elle était en haut d'un goyavier, en fait du goyavier qui était devant leur maison. Elle était loin à un niveau où elle voulait seulement tomber. C'est comme ça donc que quand on finit,
Elle me reconnaît maintenant. Elle me regarde. Elle m'appelle Tata. C'est toi. J'ai dit que oui, ma fille, c'est moi. Elle dit que oui, Tata, je souffre beaucoup. J'ai dit que je sais. Je souffre beaucoup. On ne fait que me torturer. J'ai dit que je sais. Mais maintenant, c'est fini au nom de Jésus. Tu as compris? Elle dit oui. Je lui demande donc de descendre. C'est comme ça donc qu'elle descend. Je lui demande qu'elle veut manger quoi. Elle me dit ce qu'elle veut manger, elle passe sa commande. On se bat à le faire. Là, elle avait demandé, on doit acheter les pâtisseries et tout et tout. Elle s'est assise, elle a mangé. DMG, je te jure, l'enfant là avait souffert tellement, elle avait les blessures sur elle. Elle saignait de partout. Les égratignures, elle n'en a plus fini. C'est comme ça donc que j'ai demandé qu'on aille voir l'infirmière du quartier pour qu'on vienne lui faire les soins à domicile. On a fait les soins à domicile, elle s'est calmée, elle a dormi. On l'a mis dans une chambre. J'ai demandé qu'on la mette dans une chambre et qu'on ferme et que de temps en temps on parte regarder. C'est comme ça donc qu'elle a dormi. Entre-temps maintenant, j'ai demandé à sa mère de ne plus faire ce qu'on la maltraite parce qu'on l'avait tellement attachée, les tubes, elle avait les hématomes sur les bras. On l'avait tellement séquestrée de partout. J'ai dit que non, quand elle va se réveiller, il ne faudra plus qu'on l'attache. C'est comme ça donc qu'elle se réveille. Et elle le reprend en fait. Elle le reprend. J'ai dit, ah, ma soeur et moi, on a continuer parce que ce jour-là même le marché que je partais faire je n'ai plus fait donc j'ai seulement passé ma journée à la maison chez eux là-bas. C'est comme ça donc que ma soeur et moi on a continué. On a commencé d'abord à lancer de l'eau bénite. L'eau bénite, elle a été bénite comment? Par les prières que nous avons fait sur cette eau. C'est comme ça donc qu'on a commencé à asperger cette eau dans toute la maison avec l'autorisation de sa maman. On a commencé à verser de l'eau partout dans la maison. Et après ça, elle s'est calmée. Je suis rentrée à la maison, je crois, il était vers les 17h, quelque chose par là. Et on passait vraiment une journée, je vous assure, vraiment pas des moindres. C'est comme ça donc que je rentre la nuit vers 22h. Je dors. Je rêve qu'il y a des gens habillés en noir rouge. Ils étaient en train de former un cercle. Et ils m'ont donné interdiction formelle de ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Qu'il faut quitter dans ça, ne te mêle pas. Ils sont venus me menacer, quoi. Ils sont venus me menacer. C'est comme ça donc que je dors, je vois, je les vois, ils viennent là. M'interdit de ne plus me mêler de ça, que je n'ai rien à foutre dans ça. Je me réveille. J'allume la lumière. J'ai dit que mais. Donc l'affaire là, c'est comme ça. Sauf qu'à l'instant, j'ai un peu négligé l'affaire. J'ai dit que ce n'est pas moi qui viens vous combattre. C'est Jésus qui est son père. Vous n'êtes personne pour elle. Déjà que moi, je ne vous connais pas. Quand je fais ma prière comme ça, là, quand j'ai parlé comme ça, je me suis endormie encore. Le même rêve continue avec les mêmes menaces, mais sauf que cette fois-ci, c'était plus intense. Je me réveille une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Je vous assure que je n'avais pas fermé l'œil de toute la nuit. C'est comme ça que vers 3h, mon esprit me dit que pour mieux dormir, il faut laisser la lumière allumée. N'éteins plus la lumière, il faut laisser allumer. C'est comme ça donc que je m'endors en laissant la lumière allumée. DMG, je vous assure, j'ai dormi jusqu'à 9h30. Là, on était le samedi. J'ai dormi jusqu'à 9h30. Et là où je me réveille, donc j'ai dit, hey, il faut que j'aille voir comment grand-mère a dormi. Je monte donc vers chez eux. On me dit que sa mère me dit que maman, tu es venue, ce que tu as fait y a été bien. Mais sauf que quand elle a voulu dormir dans la nuit, on l'a mis dans la chambre
Si, elle n'a pas dormi. Plus en fait, ce qu'ils avaient fait, l'erreur qu'ils avaient fait, c'est quoi? C'était de la mettre dans la chambre de son père. Et son père était décédé. Et c'était une chambre que, depuis que son père était décédé, c'était fermé avec le cadenas. Donc, moi, je pensais que l'enfant avait dormi dans la chambre que je connaissais, mais on avait plutôt ouvert la chambre de son père pour la jeter là-bas. J'ai dit que maman, elle faisait comment? Elle dit qu'elle a passé toute la nuit à crier, oh le serpent, oh le serpent. Bon, comme d'après eux, ils disaient toujours que c'est la folie, on ne l'a pas cru en fait. J'ai dit, ah bon, que oui. J'ai dit, ah, je comprends pourquoi moi-même je n'ai pas dormi. C'était toujours les menaces de mon côté. J'ai dit, ok. J'ai dit que la chambre là, allez me montrer la chambre là. Sa mère est partie me montrer la chambre. DMG. Ce que j'ai vu dans cette chambre. Ah! C'est comme ça donc que dans cette chambre, il y avait quoi? Les gris-gris, les trucs, ces trucs. J'ai demandé à ma grand-sœur que, mais le père de grand-mère, si c'était seulement un marabout ou quoi? Ma grand-sœur me dit que ah, souvent il disait qu'il faisait les trucs de maraboutage là et tout et tout. J'ai dit, ah, je comprends maintenant. J'ai dit à sa mère que maman, oui. Bon, maintenant, est-ce que tu nous autorises alors à nettoyer cette chambre? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là-dedans. Sa grand-mère me dit que, ah, si ça peut l'aider, vous avez le droit. DMG, ma grand-soeur et moi, on s'est mis à retirer des choses dans la chambre. Les bouteilles, oh. Les bouteilles avec les bâtons dedans, avec deux bâtons dedans qu'on a attachés. C'est comme ça les gens que le papa l'a passé le temps à attacher. Je ne peux pas compter le nombre de bouteilles que le papa a passé le temps à enfermer les gens dans la bouteille. De ces gris-gris, de ces poudres, de ces trucs, de ces, les dents de lièvre, les dents de ceci. Ce qu'on a trouvé là-bas, en tout cas. C'était digne vraiment d'un film de sorcellerie. On a retiré les bouteilles. Il était spécialiste vraiment dans le blocage c'est-à-dire de ces bouteilles, des bijoux. Ah! C'est comme ça donc que ma grâce et moi, on nettoie au fur et à mesure, on balayait. On est parti. Elle nous a montré un espace dehors où il fallait jeter tout ça. On entassait la salle là-bas. Et pour les bouteilles, on priait dessus, on disait qui que vous soyez, au nom de Jésus, vous êtes libérés aujourd'hui. C'est comme ça donc qu'on cassait les bouteilles. On cassait les bouteilles, on cassait les bouteilles. Chaque fois en méditant dessus, en priant dessus. On a fini de retirer les tonnes de saleté, toutes ces choses-là. La mère elle-même a mis le feu dessus. Ok. Là, nous étions le samedi et on a fini ce travail vers les 13 h par là. Entre-temps, moi, je devais aller à un voix bébé. Donc, dès qu'on a fini, l'enfant était déjà calme, mais elle ne faisait plus les crises. Elle ne faisait plus les crises. Mais sauf que quand je viens vers elle, je dis que bon, ok, tu as manifesté, tu as vu, et tu criais le serpent dans la nuit. Elle me dit que oui, maman. Un gros serpent comme ça là, il est venu pour m'avaler. Le serpent, j'écris, wow, oh, on ne vient pas m'aider. Le serpent venait pour m'avaler. Le serpent vient vers moi jusqu'à il vient vers moi à un certain moment donné. C'est Jésus qui apparaît. J'ai dit, waouh, c'est bien ça. Et j'ai dit, il apparaît, que oui, tu l'as appelé. Elle me dit que non, je ne l'ai pas appelé. C'est là où donc elle prend, donc, elle envoie la main dans son soutien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me ressort la photo qu'elle avait prise à la maison, sur la salle à manger, sur la table de la salle à manger. Elle me dit que c'est Jésus qui m'a sauvée. Elle retire la photo, elle me regarde. Elle me dit, mon Jésus, merci mon Jésus, merci mon Jésus. J'ai dit, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Et l'hypothèse selon laquelle elle voyait le serpent, quand sa mère ne l'a pas du tout, la mère n'a pas crié, elle me dit qu'elle ne faisait que crier. Elle dit que maman, est-ce que tu crois vraiment que l'enfant a vu le serpent? Elle me dit qu'elle crie toujours que comme ça, elle fait toujours les deux. Elle dit que non, maman, quand l'enfant fait un truc, quand l'enfant dit un truc,
Il faut croire. Parce que c'est ce qu'elle voit, même si vous ne voyez pas. Bon, c'est comme ça, donc, on a fini de faire le nettoyage dans la chambre et tout et tout. On a brûlé ci, on a brûlé ça, on a cassé ci, on a cassé ça. Après ça, je suis allée donc revoir bébé. Je vais revoir bébé. Vers 17 h, nous étions déjà sortis de là, on était en train de rentrer, mais bon, comme on était entre femmes, on était encore en train de faire certains petits commentaires en route, le temps de retrouver la grande route. C'est comme ça donc que mon téléphone sonne, ma grande soeur m'appelle. Elle me dit, viens vite. Viens vite. J'ai dit, il y a quoi? C'est quoi? Grand m'a encore recommencé. Elle me dit non. Le grand frère de grand-mère a tué un gros serpent. J'ai dit quoi? Il dit qu'un gros serpent comme ça. J'ai dit que non, mais c'est pas possible. Elle me dit que viens seulement, tu vas voir. C'est comme ça que j'ai dit donc à mes copines que maman, vraiment, je vais devoir vous laisser. Je prends une motocross. J'arrive là-bas. Qu'on avait tué le serpent. Toujours chez eux, non loin de là où on avait brûlé les choses en fait. Donc le serpent, tel qu'on m'a expliqué, le serpent est venu du côté de la douche. Et puis il se dirigeait vers là où on avait mis le feu aux choses. Donc il était agrippé à une tige de maïs à côté de la cour. C'est son grand frère qui a vu. Et il a alerté les gens au quartier. Le quartier est sorti, on a tué le serpent. Quand il a tué le serpent, il a enlevé la peau du serpent qu'il a collé devant leur maison. Donc n'importe qui passait voyait la peau du serpent. Les gens filmaient même et tout ça. Et bon, son grand frère avait décidé de préparer ça pour manger. Mais j'ai dit, bon, ah, tu vas faire ce que tu vas faire. Mais j'avais même interdit, puisque je suis arrivé que c'était encore au feu. J'ai dit à son grand frère, si ça dépend de moi, tu ne manges pas. Il a dit que non, 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 une victoire comme ça, il va manger ça. J'ai donc dit, je lui ai donc dit que, ok, mais la mamie dans laquelle on va préparer désormais, même manger dedans, elle ne doit plus manger. Elle ne doit pas goûter à ça, elle ne doit pas passer à côté de ça. Si toi, tu veux faire de ça, si tu ne veux pas m'écouter, tu fais de ça ce que tu veux, mais elle ne doit pas manger. Et j'ai dit à sa maman que la mamie dans laquelle on va préparer, on ne va jamais préparer la nourriture dedans pour que grand-mère mange. C'est comme ça donc que l'affaire s'est terminée. C'est après donc ce feuilleton-là que sa mère en fait m'explique que son papa était quelqu'un qui était dans des trucs un peu de la chefferie, quoi. Il était un peu dans les couloirs un peu bizarres. Et que en fait, elle, la maman de l'enfant, on lui avait donné interdiction formelle quand son mari est mort de laisser grand-mère aller au deuil. Comme souvent, généralement, quand un parent meurt, on chasse le deuil. On avait dit à la maman de l'enfant que grand-mère ne doit pas être la première à venir au deuil. Elle doit venir quelques jours après. Et c'est ce qui avait été fait. Et sa grand-mère m'explique donc que c'est parce qu'ils sont partis au village, là où on a enterré leur père. Et elle est passée à côté de la tombe de son père. C'est depuis qu'ils sont rentrés du champ qu'elle avait commencé à manifester un peu, à être un peu comme ça. Donc, voilà un peu. C'est là où j'ai un peu essayé de comprendre que ah, donc, ça veut dire que son père était dans une confrérie. Et puis, même après sa mort, on réclamait sa fille, en fait, quoi. Parce que ceux qui sont venus me menacer, c'était une confrérie, en fait, qui sont venus me demander de ne pas me mêler de ça. Ainsi de suite. Donc, vraiment, la morale de l'histoire, en tout état de choses, je me dis, c'est la foi en Dieu. Quand la voix qui m'a dit, ceux qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons. Il n'avait pas menti, cette voix n'avait pas menti. Et voilà. Donc, voilà un peu l'histoire, quoi. Et puis maintenant, pour le reste, je ne sais pas s'il y a encore d'autres leçons à tirer. C'est à chacun de pouvoir se faire une idée. Merci et likons, partageons et aimons tout, surtout pour continuer à édifier le max des personnes. Ok, merci et très très bonne soirée. Voilà, c'était la dernière histoire. Merci d'avoir participé jusqu'à la fin. Après le live chat, il y a la vidéo qui va rester sur la page. Il faut aussi laisser un commentaire là-bas. Donc, merci. À demain, 12 h, pour une nouvelle vidéo. Laissez des commentaires, partagez, likez, commentez. Faites comme d'habitude. J'ai confiance. On est ensemble.